Je m'appelle Laure, j'ai 49 ans. Je travaille chez Raja depuis 30 ans. Je suis chef de projet informatique. Je suis Emmanuelle, j'ai 45 ans. Je travaille pour le groupe Raja depuis 6 ans. Je suis directrice du centre de relations clients. Le sport en entreprise, moi, dans mes amis coureurs qui ne sont pas de Raja, il y en a très peu qui peuvent courir au travail. La direction générale de Raja a toujours promu les valeurs sportives pour ses collaborateurs et a toujours été en quête du bien-être. À la base, je n'osais pas rejoindre l'équipe de Raja Sport parce que je me sentais vraiment d'un niveau trop faible pour les rejoindre. J'ai pu bénéficier, grâce à Raja, de l'entraînement et d'un programme spécifique par un coach. Je cours depuis août 2014, où j'avais décidé d'apprendre à courir 5 km. Ça me semblait insurmontable et puis j'ai réussi. 6 mois plus tard, j'ai accompli pour moi cet exploit de courir 20 km. Je me suis inscrite au marathon de Paris une année et demie après. Et c'était un second exploit, passer la barrière du marathon. J'en ai fait 8 jusqu'à présent. J'ai toujours été une joggeuse du dimanche. Et puis l'année de mes 40 ans, j'ai deux amies qui m'ont annoncé qu'elles partaient faire le marathon de New York. Je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai réalisé 12 marathons et un 100 km à Millau en septembre dernier. Je pars sur d'autres aventures, toujours en famille. Là, on s'est engagé au semi-marathon des Sables. 4 jours en autosuffisance alimentaire, 4 jours à faire des courses dans le désert avec un sac à dos et un bivouac. On n'est pas vraiment confronté à la différence homme-femme, mais j'ai jamais ressenti, moi, personnellement, une infériorité. Dans les entraînements, oui, il y a de l'entraide, que ce soit homme-femme, je pense qu'il n'y a aucune différence.